mort. Que je trépasse si je faiblis. Merde, Sparrow. Fuck ce château. Exactement là où il faut pas que j'aille. Tiens, couchez. Que je trépasse si je faiblis. Ouch, il fait mal. Tiens. Ouch, je vais te molester. Tu ne feras rien comprendre à ta vie. Tiens. Ouais, je me casse dans la nuit comme un voleur. C'est pas fini, c'est-à-dire qu'il en reste. Mais ouf. Oh, fait chier, en plus c'était là-bas, quand même. Ah, ville mécréant, tu te situes en dessous. Oh, c'est moi le mécréant ici, mais bon. Mais tu es bugué en plus. Tiens, comment il a bien reculé quand même. Alors là, on se bat sous un pont, donc pour se battre, c'est pas très très évident. Tiens. Celui qui tapera le premier, tiens, dans ta bouche. Allez à la taverne. Ouais, pas mal cette taverne là. Mais bon. Des bretteurs mercenaires. Tenez. Ouais, j'aime bien les planches qui sont pas de la même. Qui sont ultra lumineuses par rapport au reste du décor. Bon, la place du marché. Bah eux ils ont du blé. Pourquoi j'ai pris la ville qui a, où les marchands ont le moins d'argent. Capuchon noir avec 18 points de def, ouais. C'est... Faut des bottes qui est au moins... qui est mieux que 16, quoi. Oh merde, je viens de remarquer que je suis censé bientôt terminer la session là, dans un peu plus d'un quart d'heure. Bon, ils vont à combien, 3? Oula, ah non, il était vachement faible, j'aurais pu le dérouiller, la loose. Le vieux réflexe tout moisi. Ah, ça a arrêté de fumer, mais c'est toujours pillé, je peux toujours rien y faire, la loose. Les bretteurs, mais c'est des soldats d'élite cash. 39 jours encore. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai la garnison, voilà. Mm-hmm.
300 deniers. Tenez, je vous prends aussi. Vous pouvez servir. Marchand libre, mais il y a tout. Il y a tout son... Il y a tout sauf le rançonneur. La grosse, grosse, grosse lose. Bon, bah, je vais y placer les... J'ai quand même leur demandé une dernière fois s'ils veulent pas me rejoindre par hasard. Toujours pas. Toujours pas. Bon. Eh ben, on va foutre les prisonniers. Tant que j'ai pas la tour de prison, je mets que les prisonniers de faible valeur ici, ceux qui sont destinés à être vendus. Les VIP, je les mets dans mon château. Hein. Là où il y a bien la tour de prison. Ah ouais, il est bon pisteur, effectivement. Parce que là... Je sais plus si j'ai eu un moment un gars qui avait la compétence pistage assez développée. Mais en gros, là, j'ai carrément les empreintes avec les couleurs. Ce qui m'indique carrément de quand datent les traces. Donc je vois que celles-là, elles sont bleues. Bah, elles ont 8 heures. Celles-là qui sont fraîches, bah, elles ont moins 1 heure. Quoi. Celles-là, elles ont 2 parce qu'elles sont jaunes. Et celles-là qui sont rouges, elles ont 1 heure. Fier Delina. Lui, il veut... Il vient chercher la merde, lui, par contre. Ah, j'ai déjà... Ok. J'avais déjà fait le transfert. J'ai un petit peu oublié. 65 mètres contre 134. C'est jouable. Il y a quoi? En d'armes. En chevalier. Ouais, c'est jouable. C'est jouable. Ils sont deux fois plus nombreux. Ça... On va les attirer en pleine. Allez, ça sera la dernière bataille de la session. Ah oui, ensemble, oui. Ah, il n'a pas confiance en moi. Bon, bah, l'assaut. Donc, faut que je rende les seigneurs, parce que sinon les seigneurs adverses, ils ont pas confiance. Ouais, non, bah, finalement, je suis forcé de les rendre. Oh, c'est trop classe. Celui-là, il est pour moi. Bon, bah, ce sera le suivant. Ah, c'est chevalier que je viens de zigouiller carrément. Oubi. Dégagez les gars, vous allez vous faire gangbanger. Vraiment un carnage. C'est tout. Oh. Ah non, il y a encore du people derrière. C'était le soldat qui cachait l'armée. L'arbre qui cache la forêt, le soldat qui cache l'armée. Ouch. Quand même mis 50 dommages cette fois.
homme d'arme qui ose s'enfuir, mais quelle lâche. Pour un vétéran quand même. Ah, je me souviens dans Mountain Blade, l'original, quand je perdais assez souvent mon cheval, je me disais assez souvent qu'il explosait. Selon les modes, dans certains modes, il y a des trucs complètement craqués qui défonçaient les chevaux. Voir à ma distance, c'était quelque chose, et les batailles aussi, hein, c'était trop fou. Et en gros, du coup, quand mes gars, quand mon cheval se faisait pulvériser, ce que je faisais, c'est que je courais après les chevaux pour rechoper. Hein. Des fois, je passais bien 10 minutes à courser le même cheval jusqu'à qu'il veuille bien s'arrêter pour pouvoir le monter. Et après, quand je revenais dans la bataille, la moitié de mon armée était morte et il restait encore pas mal de mecs ennemis à diminuer. Et je devais les buter tout seul. Raté, c'était une grave erreur, parce que maintenant tu vas mourir. Tu as osé l'assassiner, tu vas mourir toi aussi. Tiens, ça le lâche. Un cheval sans cavalier. Ah l'enfoiré! Comment un vétéran a osé s'enfuir? Bon, justement, ceux qui sont censés avoir plus de morale, mais ils s'enfuient quand même. Alors lui, il s'est fait gangbanger, mais méchamment. Mes hommes d'armes sont pas des tafioles. Ah, 9 morts. Oh, ça va, je me disais 20 morts. Non, non, seulement. C'est quand même assez élevé. 9 morts pour une bataille. Pas si importante que ça. Mais c'est les bleus surtout qui sont morts. Pas tellement mes soldats d'élite. Encore des hommes d'armes. Oh, ils sont bavants. Oh, ouais, ouais, massacre. Ce qui fait penser, quand je vois un petit peu comment mon gars tient sa lance, ça fait penser qu'il y avait un mec une fois qui avait, sur le forum de Tales World, il avait montré des vidéos où il montre des vidéos montrant un mec qui maniait les armes du Moyen-Âge, les épées, les lances, tout le bordel. Et franchement, par rapport à Mountain Blade, c'est très très différent. Mountain Blade, regardez, il tient la lance à bout de bras avec une position assez merdique quand même. Et l'autre bras, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, mais bon, voilà, bizarre. Maintenant ils essaient de s'enfuir. Victoire! Victoire! Victoire avec le cul du cheval en gros plan quand même. Tu es mon prisonnier.
encore des pertes alors que je peux plus me le perdre. 15 chevaliers! Wouhou! Qu'est-ce qu'il y a dans l'inventaire? Surtout du stuff, j'imagine, il n'y a pas de bouffe. Ça, je trouve chiant. Les armées adverses, elles ont pas besoin de se trimballer de la bouffe. Ça, vraiment, ça m'énerve. Parce que du coup, on est le seul à avoir ce problème. Les gars, ils font ce qu'ils veulent, du coup. Et aussi, ils ont pas à payer leurs soldats. Quand on voit la quantité de fric qui se dé... Quand on expose une armée de 150 mecs, quand on voit le pognon qu'ils ont, excusez-moi pour cette grave faute de français, on voit très bien qu'ils ont pas besoin de pognon. Oh lui, le casque, trop cool qu'il s'est trouvé quand même, il y a toujours sa tunique toute moisie à côté. Alors lui c'est marche forcée, lui ça va être mon pistage et ma marche forcée. Ma reconnaissance aussi. Ils sont toutes des caractères d'intelligence, c'est parfait. Non, faut que je trouve comment compléter mon armée. Mais c'est la dernière bataille. Donc je vais déposer Sega avec Lucha. Parce que sinon, la prochaine session, j'ai oublié. En ivre. Qu'est-ce que vous regardez? Sais-tu qui je suis? C'est ça, casse-toi, petit con! What the? Ok. Ah, ils sont tous barrés dans... Ouais, d'accord. Tous changés de position. Pour essayer de sauver leur vie. Ouais, il y a 37 mecs, je sais pas comment je vais faire. Ah oui, il faut que j'en donne mes merdes, c'est vrai. Ouais, seulement 50 mecs à stocker, c'est bon. Ah bah voilà, le grossiste, lui, au moins, il a de l'argent. Ah, frais, en plus. Eh bien, merci d'avoir regardé cette nouvelle session de Mountain Blade Warband. Si vous avez aimé, mettez j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez je n'aime pas. Si vous voulez rater aucun épisode, abonnez-vous. Mais alors, à plus les amis.